dû filmer cette vidéo en Afrique. J'étais vraiment au bout du rouleau ce jour-là. C'était une manière d'immortaliser mon histoire, l'aventure, le voyage. Et comme je n'ai pas de contenu, je vais l'utiliser pour vous raconter mon périple. Je suis née dans le pays des Nanabins au Togo. J'y ai passé mon enfance et une partie de mon adolescence. Puis je l'ai quitté. Mes études m'ont d'abord fait migrer à Dakar au Sénégal en 2012, puis en France où je vis depuis 2015. J'aime énormément la France. Elle m'a adoptée, formée, éduquée et surtout présentée de multiples opportunités. Sans oublier la chance qu'elle m'a offerte d'être naturalisée. Je me suis toujours sentie chez moi ici. La France m'a donné son meilleur, rien que ça. J'ai pourtant pris la décision de la quitter pour aller vivre mon rêve africain. Oh là là, il y a plein d'affaires, il y a plein de trucs à ranger. C'est le bazar, faut tout ranger, faut tout prendre. Et l'aventure va commencer. D'une certaine manière, au fond de moi, je savais que ce moment allait arriver tôt ou tard. Ce que j'ignorais, c'était que cet appel allait être aussi soudain et si dur à réprimer. Mon bonheur français s'est fané dès l'instant où j'ai éprouvé le besoin de partir. Plus je luttais, plus je devenais misérable. Il fallait juste que je parte. Fin novembre 2020, ma décision fut prise. Mon rêve africain allait commencer en 2021. C'était sûr. Ah, je suis trop contente. Je suis trop contente. Le choix du pays dans lequel je me rendais m'a pris quelques mois. Mon cœur balançait entre le Nigeria, mon pays d'origine, le Togo, là où je suis née, et le Sénégal, la terre de la teranga. Le Nigeria pour des raisons évidentes liées au dynamisme économique, même si je ne connaissais pas personnellement ce pays. Le Togo pour la familiarité et la facilité de connaître un minimum sur le fonctionnement. Et le Sénégal qui était un combo connaissance, dynamisme et opportunité. Finalement, c'est un pays qui n'était pas du tout envisagé qui a été choisi. Le Ghana. En été 2020, lors d'un court séjour de vacances au Togo, j'ai fait un tour au Ghana sur une directive que je qualifierais de divine. Je suis chrétienne en fait, je crois au surnaturel et je suis persuadée que Dieu m'a poussée à aller dans ce pays à cette période-là afin que ma décision soit prise. Ce choix a ensuite été confirmé par mon instinct et tout ce qui constituait mon système de croyance. C'était clair et sans aucun doute dans ma tête, il fallait que je parte au Ghana pour commencer à vivre mon rêve africain. À partir de cet instant, j'ai pris plusieurs décisions dans le sens de mon départ. J'ai défini un budget me permettant de soutenir un style de vie que je qualifierais de normal au Ghana pour 6 à 12 mois au moins. Et ce, sans aucune autre source de revenus, je précise. Puis j'ai économisé comme jamais pour me constituer un petit capital afin de démarrer certains de mes projets à réaliser en Afrique.
J'ai fait en sorte que mon employeur comprenne que je voulais partir. Et en parallèle, j'ai entrepris des recherches d'emploi au Ghana via LinkedIn et j'ai envoyé un nombre incalculable de candidatures spontanées. Août 2021, je retournais au Togo, puis au Ghana pour passer des entretiens. À partir de ce moment-là, j'attendais des réponses. J'avais décidé qu'avec un job validé ou pas, je m'installerai au Ghana avant la fin 2021. Alors, je n'ai pas attendu d'avoir une offre d'emploi à proprement parler avant de libérer mon dernier appartement lillois que j'occupais encore. Novembre 2021, tout était prêt, sauf le job au Ghana. Mais j'ai quand même tout plaqué et je suis partie vivre mon rêve africain. Ah, je ne sais pas si la précision aide à comprendre la facilité que j'ai eue à tout plaquer, mais j'étais célibataire sans enfant. Ça pèse sûrement moins lourd dans la balance. Je suis d'abord arrivée au Togo où j'ai lancé un premier projet qui est un projet agricole. Cela m'a pris 2 mois. Projet agricole 1 étant lancé au Togo, mais vous le savez, hein, la terre a besoin de temps pour nourrir. Il ne fallait certainement pas compter sur ce projet pour les dépenses de la vie courante. Pendant mes 2 mois au Togo, j'ai reçu une bonne nouvelle. Une offre d'emploi a été validée chez un cabinet de conseil, KPMG. Offre d'emploi que j'aurais dû accepter, mais j'en ai décidé autrement. Abandonner l'offre était le choix le plus judicieux, j'ai pensé à ce moment-là. Parce que je savais que le monde des cabinets de conseil ne me convenait plus en France. Je venais d'en sortir. Et c'était un nouveau départ en Afrique. Je voulais faire les choses autrement à partir de là. Je suis donc retournée à la case départ dans les recherches d'emploi. Et cette fois-là, mes recherches se concentraient dans des entreprises et non dans un cabinet de conseil. Ça aurait été plus facile, hein, de trouver dans un cabinet de conseil, mais bon. J'ai priorisé mon bonheur. La frustration s'est rapidement glissée dans mon esprit à partir du moment où je me suis rendu compte que chercher et trouver un emploi au Ghana était juste totalement différent de ce que je connaissais. Les maîtres mots sur le marché de l'emploi ghanéen, c'était de connaître quelqu'un, appartenir à une communauté religieuse spécifique, parce que le pays est rempli d'églises, ou encore être tout simplement ghanéen. Alors, petite parenthèse pour ceux qui comptent rentrer en Afrique, que ce soit au Ghana ou dans d'autres pays. Rentrez, s'il vous plaît, si vous êtes binationaux, avec un job d'expatrié. Pour moi, c'était déjà raté. Il y avait aussi le problème de la rareté des postes dans le domaine spécifique qui m'intéressait. La gestion de projets de transformation finance. Ce fut donc en fait une combinaison qui a failli m'achever au bout de quelques semaines, mais je n'ai rien lâché. Ce qui faisait augmenter ma frustration, c'était le fait de traîner mes valises de Airbnb en Airbnb. Parce que au niveau du logement, c'était une autre histoire. Qui dit pays que je ne connaissais pas, dit logement éphémère pour les premiers jours avant de trouver un endroit permanent. Mes recherches de logement ne portaient pas les fruits que je voulais et je m'étais déjà fait arnaquer plus d'une fois en moins de quelques semaines. D'ailleurs, petite parenthèse, les arnaques au Ghana étaient monnaie courante, hein. Quelques semaines au Ghana m'ont suffi pour perdre mon optimisme du début. La française en moi ressortait de plus en plus. Je commençais à me plaindre de tout et de rien. J'avais des doutes sur tout. Et en plus, mes économies partaient en flèche, entre les arnaques et les dépenses courantes 3 fois plus chères que j'avais imaginées. Le Ghana, ou du moins Accra, est une des villes les plus chères où j'ai vécu. Plus chères que les villes où j'ai vécu en France, mais aussi Dakar et Lomé. Je précise quand même que je ne me déplaçais quasiment qu'en Uber et mangeais généralement que des plats commandés, ce que je ne faisais absolument pas en France. Je vous résume la situation à ce stade. Le projet agricole numéro 1 est lancé au Togo.
Mais la terre a besoin de temps pour produire. Et il ne fallait certainement pas que je compte sur ce projet-là pour les dépenses courantes. Je n'avais toujours pas de logement et je n'avais toujours pas d'emploi. Le projet numéro 2 au Ghana risquerait de faire exploser mon budget. Et sans revenu courant à côté pour les dépenses quotidiennes, je risquais de frôler un autre niveau de frustration que je n'avais jamais connu auparavant. Alors j'ai décidé de mettre projet numéro 2 sur pause jusqu'à ce que je sécurise un job. Quelques semaines intenses de recherche d'emploi n'ont toujours rien donné. Et encore une fois, je me faisais arnaquer au logement. Ce fut la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. On était alors à fin février 2022. Et il était clair pour moi que l'opération Rêve Africain devait prendre un autre tournant très rapidement, ou bien prendre fin au risque de partir dans une phase de dépression chronique. Mais étais-je prêt à essuyer un tel échec flagrant? Étais-je prête à donner raison à mes parents qui avaient formellement déconseillé que je me lance dans cette aventure? Et surtout, étais-je prêt à abandonner ce que je croyais être la volonté ultime de Dieu à ce moment-là? Non, je ne l'étais pas. Non, je ne comprenais juste pas. Et pourtant, un soir, début mars 2022, après 5 mois d'aventure, dans le dernier Airbnb que j'occuperai, un clic suffira pour prendre le billet retour au bercail. Mon rêve africain retourne au placard. Projet 1 continue sans moi, ou du moins avec moi mais à distance. Et projet 2 attendra que je ressuscite le rêve africain dans quelques années peut-être. Les quelques jours que je passerai ensuite au Togo avant de repartir me permirent de faire une introspection. J'ai fait en quelque sorte une revue de toute l'aventure, les choses à faire autrement, les erreurs commises et surtout les leçons que j'ai apprises. Je partage avec vous quelques-unes de mes pensées en espérant que ça soit utile à quelqu'un là dehors. La première chose que j'ai envie de dire, c'est que le Ghana et les pays africains en général font face à un phénomène de gentrification accrue dont il faut rapidement trouver des éléments de solution. En français, très simple, le processus de développement de certains pays n'est pas en ligne avec les moyens mis en œuvre pour améliorer le coût de la vie des locaux. Cela favorise des gens comme moi venant de la diaspora et laisse pour compte les locaux. Je crois personnellement que le développement est une bonne chose, une très bonne chose d'ailleurs. Mais si ce développement ne bénéficie que ceux qui viennent d'ailleurs, il faut se poser les bonnes questions et trouver un moyen de faire les choses autrement. Un exemple très pratique. Un Togolais de la diaspora rentre, crée un super café à l'image de ce qu'on fait ici en Europe, à Lomé, et facture ses produits à un prix de revient lui permettant de faire sa marge et couvrir le coût de production. Mais on remarque que ce genre de produits et les prix proposés sont des prix souvent alignés avec les prix que nous voyons ici. Donc ces produits sont achetés, sont branchés par des gens de la diaspora en vacances comme moi, la plupart du temps, et quelques privilégiés locaux. Le reste de la population n'a juste pas le coût d'achat nécessaire pour pouvoir faire ces achats-là. Que peut-on faire pour améliorer le coût d'achat des locaux lambda, en parallèle du développement apporté par cette personne de la diaspora? C'est une discussion ouverte. La deuxième idée que j'ai, c'est que je serai égoïste la prochaine fois.
Je ne m'attaquerai pas à mon rêve africain sans avoir sécurisé un contrat d'expatrié en Afrique. Ceci pour me permettre d'avoir une source de revenus constante, mais également un maintien du style de vie auquel je suis habituée. Pour beaucoup, les gens qui vivent en Occident sont riches. Je ne me considère pas comme riche. J'aimerais juste m'assurer un minimum. Et si cela passe par le fait d'être égoïste, je n'hésiterai pas à emprunter ce chemin-là la prochaine fois. La troisième chose à laquelle je pense, c'est qu'en Afrique, et au Togo en particulier, l'apparence compte vraiment plus que la substance. On me l'a très clairement dit et j'ai trouvé cela très superficiel au début. Mais je vous passe le message. En Afrique, et spécifiquement au Togo, l'on vous traite selon le niveau de flamboyance que vous reflétez. Une personne véhiculée aura plus de chances qu'une personne qui prend les transports, par exemple, d'obtenir le respect qui lui est dû en tant qu'humain. Oui, je le sais, c'est partout comme ça, mais ce phénomène est beaucoup plus accentué en Afrique. Alors assure-toi de fake it if you want to make it there. La quatrième chose à laquelle je pense, et c'est un conseil à ceux qui veulent faire le grand saut un de ces jours également, c'est d'élaborer un plan minutieux et d'estimer votre budget avec précaution avant de faire le grand saut. Économisez de l'argent. Partez avec de l'argent. L'Afrique est chère, hein, dépendant des pays que vous ciblez, mais en général, l'Afrique est chère. Donc partez avec un plan et partez avec un budget. La cinquième chose à laquelle je pense, c'est de vous dire que l'Afrique n'est pas l'Occident et plus spécifiquement la France. Les choses ne fonctionnent pas de la même manière. Donc soyez ouvert d'esprit, soyez humble et posez des questions. La sixième chose à laquelle je pense, c'est que votre rêve africain n'a pas forcément à être dans votre pays d'origine. L'Afrique est un vaste continent avec plusieurs pays. Donc soyez stratégique dans le pays que vous choisissez pour réaliser votre projet. Ça n'a pas à être là où vous êtes né, ou le pays que vous affectionnez plus particulièrement. Il y a des pays qui seront plus favorables à votre projet que d'autres. La septième chose à laquelle je pense, et c'est un conseil, c'est de partir avec un mental d'acier. Formez-vous, parce que l'Afrique, c'est le continent des guerriers. Soyez prêts à faire face à beaucoup de choses. Il faut un mental d'acier pour réussir en Afrique. Voilà. C'est tout pour moi. Ces quelques mois d'aventure furent incroyables. Mon rêve africain, je le vivrai un jour. J'en suis sûre.